jour, on va voir aujourd'hui ensemble la technique du crochet ondulé. Avec cette technique, on peut faire des dessins de lit, des tapis pour la salle de bain, comme un tapis de jeu pour les enfants, comme vous pouvez faire un sous-plat, des sous-verts. Ça dépend du fil que vous allez utiliser et selon vos besoins. Voilà, on va commencer. On a besoin de faire une grille. Voilà, c'est le genre de grille qu'on va faire dans ce travail. Donc, c'est une grille, on va aller sur 44 mailles. Et ce que vous voyez sur la grille, les petits traits horizontaux avec des petits ronds. Les petits ronds, c'est des mailles chaînettes. Donc, les traits horizontaux, c'est les mailles chaînettes. Ils sont séparés par des traits verticaux. Ces traits verticaux, c'est les brides qu'on va faire. Et donc, sur ces brides, on obtient des carreaux. Sur ces carreaux-là, on va travailler. Pour faire la grille, je vais utiliser un crochet, 3,5. Et pour faire le reste du travail, on utilisera un crochet numéro 4. Donc, pour faire la grille, il suffit on va faire 44 mailles chaînettes. On va commencer par faire 44 mailles chaînettes. On tourne le fil et on tire. On en fait 44. Voilà ma chaînette de 44 mailles. Donc, on va sauter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la huitième, on va faire une bride. Une bride, j'ai tourné le fil et je m'introduis dans la maille. Je tire une boucle, je prends le fil et je laisse tomber deux boucles. Ensuite, je prends le fil encore une fois et je laisse tomber deux boucles. Je fais deux mailles chaînettes de séparation. Et je compte pas celle-là où on a travaillé. Donc je compte 1, 2, dans la troisième, je fais encore une fois une bride. Voilà ce qu'on a fait. On a laissé 7 mailles et on a travaillé dans la huitième, on a fait une bride. Les 7 mailles, c'est 2 mailles de séparation, 3 mailles pour la bride et 2 mailles de séparation. Donc on a fait une bride là. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On fait 2 mailles chaînettes. Je tourne le fil, je saute 1, 2, dans la troisième, je fais une bride. 2 mailles de séparation et je laisse ici. 1, 2, dans la troisième, je fais une bride. Je continue comme ça jusqu'à la fin du rond. 1, 2, et je saute 2, et dans la troisième, je fais une bride. Dans la troisième, une bride. On continue jusqu'à la fin. Voilà, j'ai presque fini le rond. Il me reste à faire une maille. Donc j'ai fait deux mailles chaînettes et je vais sauter deux mailles. Dans la dernière maille qui me reste, je vais faire une bride. Voilà, donc on fait une bride. Je tourne mon travail, je tourne le travail et je fais 1, 2, 3 mailles chaînettes. Ça va remplacer une bride. Et puis il me faut 2 mailles chaînettes pour la séparation. Donc je fais 1, 2. Ça va faire donc 5 mailles chaînettes ici pour commencer. Je prends le fil et je vais sur la bride du rond précédent et je fais une bride. Je continue comme pour le rang, comme pour le premier rang. Je fais deux mailles chaînettes de séparation
je prends le fil et sur la bride, je vais en haut de la bride et je m'introduis et je fais une autre bride. Donc, on a les brides. On a des brides. On a des brides sur les brides et deux mailles chaînettes sur les mailles chaînettes. Ce qui va former notre grille. On continue comme ça jusqu'à la fin. Et quand on a ici, on veut obtenir, si on veut obtenir un carré comme celui-là, un carré comme celui-là, donc voilà, il faut faire, on a fait 44 mailles et on a obtenu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 carrés. On a obtenu 13 carrés. Donc pour avoir un carré, il faut continuer et obtenir 13 carrés dans le sens vertical. On a 13 carrés dans le sens horizontal et 13 carrés dans le sens vertical. Voilà, et vous allez obtenir une grille comme ça. Donc moi, j'ai utilisé 3,5 pour la grille. Je vais utiliser un crochet numéro 4 pour le reste du travail. Donc, faisons un nœud. C'est le travail qu'on va faire sur la grille. Sur la grille. Donc si on commence par un coin, comme ici, j'ai commencé ici. Ça veut dire que je commence par exemple ici, sur ma grille là, sur ma grille crochetée. Je commence ici, je fais 3 brides sur cette ligne, la ligne là, la ligne horizontale. Et puis sur la verticale, c'est la bride. Sur la bride là, je fais aussi 3 mailles, 3 brides je veux dire. Et sur celle-là, 3 brides, sur celle-là, 3 brides, en suivant le schéma. Le schéma, je vais vous laisser un schéma dans la boîte de description, vous pouvez le suivre. Donc, on continue comme ça. Vous pouvez faire un travail avec une seule couleur. Vous voyez, si vous faites la grille vous-même, vous si vous reproduisez la grille, vous comprendrez beaucoup plus. Donc voilà, avec une couleur, on continue jusqu'à ce coin-là. Regardez, une fois ils sont comme ça, et une fois ils sont comme ça. Dans ce schéma-là, hein, je dis dans ce schéma-là, dans d'autres schémas, ça peut être différent. Donc pour la suite... Pour la suite de notre grille, donc on va faire comme ça. Le fil là, hein, vous avez vos coins, ils sont comme ça. Comme ici, regardez. Le coin, il est un peu comme un M. De toute façon, on n'obtient pas des carrés, hein, ils sont un peu ronds, le travail il est un peu rond. Après avoir fait les 3 brides pour sur chaque côté, ça donne, c'est un peu arrondi, c'est pas carré. Donc, et on continue comme ça, regardez. Ces mailles-là, elles sont un peu cachées par le travail qu'on a fait auparavant. On continue comme ça. C'est notre deuxième couleur. Moi, j'ai utilisé que 2 couleurs, vous pouvez utiliser plusieurs. Couleur, comme vous pouvez utiliser une seule couleur. On travaille là avec un certain ordre, mais on peut travailler d'une façon aléatoire. Il suffit de remplir tous ces carrés-là, tous les pourtours de ces carrés-là, avec des brides, 3 brides sur chaque. Donc, on va travailler. Je vais commencer, comme j'ai dit, par exemple, par ce coin-là, si je veux, hein, je prends n'importe quel coin, je peux commencer. Donc, et je commence par là, par exemple. J'introduis mon crochet sous la bride là. Et voilà mon nœud, je serre un peu. Je fais une maille coulée. Vous pouvez, si, par exemple, là, c'est un fil qui est un peu fin. Donc, on va faire des brides pour que ce soit... pour que ce soit comme ça, assez épais, assez apparent. Mais on peut utiliser, on peut faire des demi-brides. Donc là, pour faire les brides, je vais faire 3 mailles chaînettes qui vont remplacer ma première bride. Et voilà ma première bride. Je vais faire une deuxième bride. Regardez, je travaille toujours sur ma grille, sur la première ligne de ma grille, dans le premier carreau,
Voilà, j'ai travaillé un côté de mon carreau, il me reste trois côtés. Mais là, je vais travailler sur ce côté, sur celui-là, et je me déplace sur le deuxième carreau. C'est à la fin, au retour, que je vais compléter ce morceau-là. Donc, j'ai fait trois brides là, je tourne mon fil et je me déplace sur ce côté pour faire trois autres brides. Voilà la première, la deuxième et la troisième. J'ai rempli trois côtés de mon carré, deux côtés de mon carré, pardon. Je vais me déplacer là, sur ce côté, pour faire également sur celui-là trois brides. Voilà la première, la deuxième bride et la troisième bride. Voilà, j'ai terminé avec ce carreau. Alors, je vais me déplacer, je regarde mon schéma là. J'ai fait ce côté et ce côté. Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis là, mon crochet il est là, sur ce point-là. Donc, je me déplace ici. Je me déplace ici, c'est où? C'est ici. Donc, le deuxième carré est sur cette ligne horizontale. Donc, je prends le fil et je fais trois brides sur celle-là. Pardon. Voilà, je fais ma première bride. Je prends le fil. Je vais faire ma deuxième bride. Et ma troisième. Voilà. J'ai travaillé sur ce côté, celui-là, celui d'en bas. Et après, qu'est-ce que je fais? Je monte. Je monte. Voilà, je suis en bas. Je monte sur cette ligne. Sur cette ligne. Après, ici. Après, voilà. Je monte sur la grille et sur le schéma. Vous avez les deux. Donc, vous regardez. Voilà, on a travaillé. On a travaillé ce carré-là. On est sur le deuxième carré. On a travaillé. On a travaillé le côté bas, on va monter, donc et travailler sur cette ligne, ensuite sur celle-là, donc le deuxième carré, on travaille les trois côtés comme ça, celui-là, celui-là et celui-là, ok? Donc on travaille sur ces trois côtés. Après, on passe au troisième carré. Troisième carré, on va travailler ce côté-là et ce côté-là. Le quatrième carré, on va travailler ce côté et ce côté. Donc, voilà, je vais m'expliquer encore. Donc, on a travaillé ici, j'ai le fil, je travaille sur en bas. Je monte, je travaille en haut. Je descends, je travaille en bas sur l'autre côté. Je monte et je travaille le haut du carré suivant. Je descends et je travaille le bas du carré suivant. Je monte et je travaille le haut du carré suivant. Je descends, donc, et je travaille après le bas du carré suivant. J'espère que je me suis bien fait expliquer. Bon. Donc, on est en bas. On va monter maintenant sur ce côté-là et faire trois brides. J'espère que c'est clair. OK? Donc, j'ai fait une bride, je vais faire la deuxième. Et sur chaque côté du carré, on fait trois brides sur chaque côté. Et ça va donner le résultat que vous avez vu. Donc, je suis en haut, je suis arrivée en haut. Donc, sur le carré suivant, je travaille en haut sur les trois brides. Là, je vais faire trois brides. Je descends. Je travaille sur le côté, sur ce côté-là. Vous suivez le schéma qui est là. On peut travailler comme ça. Comme on peut, par exemple, voilà notre carré. Notre carré là. Hein, et ça, c'est notre grille, je veux dire.
Donc on peut travailler comme ça. On suppose que ça c'est notre grille. Supposons que ça soit notre grille, cette page-là. On peut travailler comme ça, regardez. Pas avec ce schéma, comme ça. Commencez dans un coin, commencez dans un coin et allez vers l'autre coin. Ici, qu'est-ce que vous allez travailler? Les trois brides, on a dit, sur chaque côté. Ici, trois brides. Sur chaque côté, trois brides, trois brides. Hein? Sur chaque côté, sur chacun des côtés, vous travaillez vos trois brides. Comme ça, comme ça, sur chaque côté. Mais vous n'allez pas comme l'autre schéma. C'est un autre schéma que vous pouvez faire. Et si vous choisissez une autre couleur, vous pouvez aller encore et continuer comme ça. Et ensuite, aller faire avec deux couleurs, ça va donner quelque chose comme ça. Quelque chose de ce genre. Jusqu'à ce que vous finissiez votre carré. Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. Comme on peut faire d'une façon aléatoire. On peut travailler d'une seule couleur. L'idée, c'est de remplir la grille. C'est ça l'idée de la technique du crochet ondulation. Okay? On va travailler comme ça. On continue sur toute la ligne jusqu'à ce qu'on arrive au coin. Voilà, j'ai fait tout ce rond et j'arrive au coin. Voilà mon carré du coin. Mon dernier carré. Donc, j'étais en bas, donc je vais monter. Je vais travailler sur cette ligne de mon carré, ce côté de mon carré, donc, et je vais fermer trois brides. Et je vais, maintenant que j'ai fait mes trois brides sur ce côté, je vais travailler sur ce côté. Donc, et là, voilà, je fais trois brides. Je vais me déplacer sur le sous-côté-là. Donc, je vais faire également trois brides. Une. La deuxième. Et la troisième. Voilà. Voilà, j'ai fait trois brides sur les trois côtés. Qu'est-ce que je fais après? Je ne vais pas continuer ici, donc je descends. Je peux le faire si je veux, mais ça ne va pas être joli. Donc je fais sur le quatrième côté du carré du coin. Donc, le carré du coin, on travaille sur les quatre côtés. Voilà. Voilà mon coin, il est fait maintenant. Et comme je suis en bas, le coin, il est fait. Et comme je suis en bas, donc, je vais travailler sur ce côté-là du carré suivant. Et je continue ma ligne comme tout à l'heure, comme ce qu'on a fait avant. Voilà, regardez, j'ai fait mon coin, j'ai fait mon coin et j'ai travaillé sur le bas. J'enlève, j'ai fait le coin, donc on a travaillé tout le carré, les quatre côtés du carré. Et j'ai fait le coin du carré, le bas du carré suivant. Je vais monter maintenant. Je monte, je travaille ici. Et après, je travaille sur cette ligne en haut. Et puis, je descends, je continue comme ça, comme sur le schéma. Hein? Vous continuez et le coin, vous travaillez les quatre côtés du coin. Et on va obtenir
on va obtenir ça. Hein, vous allez obtenir, une fois fini tout votre tour, vous arrivez à la fin. Qu'est-ce qu'on va faire? Le travail, on l'avait commencé en faisant 3 mailles chaînettes. Donc, je cherche ma troisième maille chaînette, 1, 2. Sur la troisième, je m'introduis et je fais une maille coulée. Ensuite, je fais comme ça et je tire et je coupe mon fil. Voilà, vous avez fini votre premier tour, tout le tour d'une couleur. Si vous voulez changer de couleur, vous pouvez. Regardez, déjà, vous avez votre travail, il est presque fait. Les coins, il ne sera pas rond. Le coin ne sera pas rond comme ici. Vous allez travailler sur ce côté, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va faire le M. Vous allez travailler sur le M ici. Et le reste, c'est pareil. On se retrouve pour faire l'autre couleur. Moi, je vais utiliser 2 couleurs. Voilà, j'ai fait un nœud et je peux commencer là où je veux. Hein? N'importe lequel, n'importe quel côté, mais je vais commencer par le coin, comme ça je ne me trompe pas. Donc je prends ce côté de mon coin, ici, et je travaille ici, 3 brides, ici, 3 brides, ici, ici, et ensuite je continue en zigzagant. Donc je commence ici, voilà, j'introduis mon crochet et je fais entrer mon nœud. Serre le nœud et on commence par faire 3 brides qui remplacent 3 mailles chaînettes qui remplacent ma première bride. Voilà, je prends le fil. Ces bouts de fil, on va les cacher après à la fin du travail. Donc je fais une bride, une troisième bride. Voilà, je travaille. Donc je passe sur ce côté là. Vous l'avez sur le schéma. Vous suivez votre schéma. On l'a ici sur le schéma. Okay. J'ai commencé, j'ai travaillé ce côté. Comme ça, je viens et je monte et je passe ici. Donc, là, vous l'avez sur la vidéo. Et je vous laisserai dans la boîte de description. Et sur la vidéo également, un autre schéma que vous pouvez suivre. Donc, je fais ma première bride sur ce côté, puis la deuxième, puis la troisième. Voilà. Ensuite, je ne vais pas descendre, je vais monter. Je ne vais pas descendre ici, mais je vais monter. Vous verrez sur le schéma si c'est pas clair ici. Donc je fais mes 3 brides. Après, je prends le fil et je travaille ici. 3 brides. Je suis toujours dans le coin. Vous voyez? Après, je vais descendre. Donc, je vais descendre. Après, je vais descendre ici. Et je fais mes 3 brides sur cette ligne verticale. Voilà le coin, il est fait. Mon coin, il est fait maintenant. Il est rempli, donc je continue. Et je continue en travaillant comme ça. Hein? Je continue, voilà mon coin. Il sera comme ça, comme celui-là. Quand tout sera fini. Là, peut-être que c'est
Voilà, c'est fait comme ça. Donc, je continue sur cette ligne horizontale, puis je monte et je travaille sur cette ligne horizontale en haut, je descends et je travaille sur la ligne horizontale en bas, je monte et je travaille sur la ligne horizontale en haut. Je descends en bas, je monte en haut, je descends, je travaille ici. Et ainsi de suite. Une fois arrivé au coin, vous arrivez là. Donc, vous arrivez là et vous travaillez ici, ici, ici et ici. Voilà. Ici. Vous avez un M. Regardez. Le coin, c'est comme un M. Voilà. Vous avez votre coin. Vous travaillez sur comme ça. Rappelez-vous et regardez sur le schéma, vous le verrez. Vous continuez, vous faites le tour. Ensuite, vous finissez en faisant, comme on a fait tout à l'heure pour la couleur bordeaux, par une maille coulée, vous arrêtez votre travail. Et puis, si vous voulez changer de couleur encore une fois, et vous continuez, vous faites le tour. Et on se trouve pour faire le centre, comme ici, pour faire le centre. Voilà, le travail est terminé. On a presque terminé. Il reste juste le carré à l'intérieur. Dans ce carré-là, on peut travailler comme avant et puis assembler les mailles pour faire genre de cercle avec une aiguille. Comme on peut utiliser les brides sous forme de diminution, on va voir ensemble comment on fait. Donc, je commence par faire toujours mon nœud, je vais dans le carré là, un côté n'importe lequel, et je vais introduire mon crochet. Je ferme ma maille coulée, je tire et je fais mes trois brides, les trois mailles chaînettes. Excusez-moi, on fait les trois mailles chaînettes qui remplacent une bride, et je fais les deux brides. Que je ne termine pas, je laisse tomber les deux mailles, il reste deux mailles sur le crochet. Je fais une autre bride et voilà, et j'ai maintenant trois mailles sur le crochet et je laisse tomber les trois mailles en une fois. Je vais sur l'autre côté, l'autre les trois mailles, les mailles chaînettes ici du carré, l'autre côté du carré. Donc, et je fais trois brides. Donc, la première bride, voilà, je laisse tomber deux, mais je garde une sur le crochet. Je ne termine pas. Donc, ma deuxième bride, et je ne la termine pas. La troisième bride. La troisième bride, voilà, je laisse tomber deux. Maintenant, j'ai quatre mailles sur le crochet. Je tourne le fil et je les laisse tomber en une fois. Je vais sur l'autre côté. L'autre côté du carré. Et je fais la même chose. Donc, je commence. C'est la première bride. Je laisse tomber les deux premières mailles. J'arrête là. Je tourne le fil. Je fais la deuxième bride. Je laisse tomber les deux premières mailles. Et j'ai trois mailles sur le crochet, je tourne le fil et je fais ma troisième bride. Voilà, maintenant j'ai quatre mailles sur le crochet, je tourne le fil et je les laisse tomber en une fois. Il me reste le dernier côté du carré, donc je tourne le fil et je fais ma première bride. Que je ne termine pas, je laisse tomber les mailles en une fois. Donc voilà, je laisse tomber deux mailles, je garde l'autre sur le crochet et je tourne le fil pour aller faire une deuxième bride. Voilà, je laisse tomber deux mailles, la troisième, l'autre je la garde sur le crochet, je tourne le fil et je fais ma troisième bride. Je laisse tomber deux mailles, il me reste quatre mailles sur le crochet, je tourne le fil et je fais tomber tout ensemble.
Et je vais sur les trois mailles. Les trois mailles chaînettes que j'ai fait au début, je vais sur la troisième maille. J'introduis le crochet et je fais tomber les deux mailles. Et là, je fais comme ça et je coupe le fil. Je coupe assez long pour pouvoir faire les coutures. Voilà. Maintenant, notre travail est fini. Il suffit de faire entrer tous ces bouts de fil qu'on a. Voilà le travail qu'on a fait ensemble. J'ai fini, j'ai caché tous les fils. Voilà l'envers du travail. Et sa face. Donc, on a fini, on a terminé. J'espère que vous avez compris toutes les explications. Et je vous souhaite beaucoup d'amusement et de fun avec ce travail. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.